Résoudre s au carré moins 2s moins 35 égale 0. Une des façons de résoudre un polynôme du second degré, c'est par factorisation. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va écrire ce polynôme sous la forme d'un produit de binôme du premier degré, et ensuite, on utilisera le fait que quand un produit est égal à 0, au moins un des facteurs est égal 0 pour déterminer la ou les solutions de cette équation. Mais alors, comment est-ce qu'on factorise Alors d'abord, il faut qu'on ait une équation égale à 0, et c'est ce qu'on a ici, ça tombe bien. Ensuite, on utilise la méthode de factorisation par produit et somme. On cherche deux nombres, disons, petit a et petit b, dont la somme est égale à moins 2. Donc, a plus b, on veut que ce soit égal à moins 2 et dont le produit c'est égal à moins 35. Donc, a fois b, on veut que ce soit égal à moins 35. Alors, je précise juste ici qu'on est dans un cas un peu particulier, puisque le coefficient devant s au carré ici, c'est 1, et on verra plus tard comment faire quand ce n'est pas le cas. Donc, a et b. Le produit a fois b est négatif. On a moins 35 ici. Donc, a. Ou b doit être négatif. Donc on veut un nombre positif et un nombre négatif qui, multiplié, nous donne moins 35 et additionné, nous donne moins 2. Le mieux, c'est d'essayer avec des facteurs de 35. Et on sait que 7 fois 5, eh bien, c'est 35. Donc 5 et moins 7, ça devrait marcher. 5 plus moins 7, qu'est-ce que ça fait Ça fait bien 5 moins 7, ça fait bien moins 2. Donc ces deux nombres vont nous permettre de décomposer moins 2s. Alors, on obtient s au carré et ensuite on décompose ce terme-là, moins 2s, en plus 5s, moins 7s. Si on regroupe ces termes, on a bien s fois 5 moins 7. 5 moins 7 ça fait moins 2, ça fait bien moins 2s. Et ensuite on a moins 35, on n'y touche pas. Et ça, c'est bien toujours égal à 0. Et maintenant, on effectue une mise en évidence double, ce qui consiste à regrouper en deux fois par groupe de deux les termes qui ont un facteur en commun. Eh bien, ces deux premiers termes, ici, s au carré et plus 5s, ont s en commun. Donc, on peut réécrire ça comme s fois s plus 5. C'est la même chose que s au carré plus 5s. Maintenant, ces deux derniers termes, moins 7s et moins 35, ont moins 7 en commun. Donc, si on les factorise, on a moins 7 fois s plus 5. Et ça, eh c'est bien toujours égal à 0. Et maintenant, on a deux termes ici qui ont tous les deux s plus 5 en commun. Donc, bien sûr, on peut factoriser ça. S plus 5 fois S moins 7. Et ça, bien sûr, c'est égal à 0. Là, on a deux nombres. S plus 5, c'est un nombre. S moins 7, c'est un autre nombre. Et le produit de ces deux nombres égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire Si je te dis que j'ai le produit de deux nombres. A fois b et que c'est égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux nombres Eh bien, a ou b au moins doit être égal à 0. Ça veut dire que a peut être égal à 0. Ça veut dire que b peut aussi être égal à 0. Ou bien que a et b peuvent tous les deux être égal à 0. Donc ici, on peut dire que s plus 5 est égal à 0. Ou bien, en fait, on devrait plutôt écrire et, ou, pour être correct, S moins 7 égale 0. Et maintenant, il suffit de trouver S dans ces deux équations. Alors ici, on va enlever 5 de chaque côté de l'équation. Il nous reste S égale moins 5. Ou bien ici, on va ajouter 7 de chaque côté de l'équation. Et il nous reste S égale 7. Donc s égale moins 5 c'est une solution à notre équation et s égale 7 c'est une autre solution. On peut d'ailleurs vérifier ça par exemple avec s égale moins 5, moins 5 au carré ça fait 25, moins 2 fois moins 5 ça fait plus 10, 25 plus 10 ça fait 35, moins 35 ça fait bien 0. Avec s égale 7, 7 au carré ça fait 49, 49 moins 2 fois 7 moins 14. 49 moins 14 moins 35, ça fait aussi 0. Donc on a bien trouvé les bonnes solutions. Quand on a un polynôme du second degré de ce type-là, où le coefficient devant le terme de plus haut rang, c'est-à-dire celui de plus haut degré, ici c'est s au carré, c'est 1, eh bien il est possible de prendre un raccourci. On n'a pas besoin de détailler toutes ces étapes. Alors on va partir ici de x plus a fois x. Plus b. Et je vais développer ça pour comparer avec ce qu'on a fait pour notre polynôme ici. Donc x au carré plus x fois b, donc bx plus a fois x, donc ax plus a fois b, ab. Et ça, ça nous donne x au carré plus, ici on peut regrouper ces deux termes en x, on a donc a plus b fois x plus ab. Et c'est le type d'équation qu'on avait au départ ici. On a bien 1 devant x au carré, comme ici on avait 1 devant s au carré. Donc une fois qu'on a trouvé les deux nombres a et b, dont la somme égale moins 2, alors ici moins 2 c'est a plus b, et dont le produit c'est moins 35, ici moins 35 c'est ab, et bien on peut directement factoriser sous cette forme-là. Au départ on avait trouvé 5 et moins 7 pour ces nombres, 5 plus moins 7 ça fait moins 2, 5 fois moins 7 ça fait bien moins 35, et avec ça on aurait pu directement factoriser en écrivant s plus 5 fois s plus moins 7, alors je vais directement écrire s moins 7 égale à 0 bien sûr, et ça nous aurait fait économiser ces deux lignes-là.